Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre prénom? Sylvie. Alors Sylvie, enchantée. Enchantée. Merci, je vais avoir besoin de votre date de naissance, s'il vous plaît, Sylvie. Oui, c'est le 29-06-69. Parfait. Vous appelez de quelle région, Sylvie? La Loire. Parfait. Je vous écoute. Quelle est votre question? C'est à propos du travail. Oui, je veux bien la première lettre de l'entreprise quand même. Actuel. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, ça ne devrait pas trop tarder, parce que je vous explique. Pour moi, quand on me montre quelque chose de présent, pour moi, ce présent, ce n'est pas spécialement le jour J, c'est à peu près un mois avant, un mois après. Donc, ça vous donne déjà dans combien de temps vous trouvez un emploi, c'est-à-dire pour moi, sous 30 jours. J'ai quelque chose d'extrêmement rapide. C'est pour ça que je vous dis, j'ai ça maintenant, on me le montre maintenant. Hein? D'accord, parce que là, c'est vrai que c'est très vague pour moi, donc c'est surprenant, mais c'est bien. Mais j'ai quelque chose de très rapide. Par contre, je précise, Sylvie, j'ai pas spécialement un CDI, hein, j'ai un CDD. Oui. J'ai un CDD, donc pour moi, ça peut être un CDD de 3 à 5 mois maximum, 3 à 4 mois, 5 mois maximum, hein, dans un premier temps. Après, pour moi, alors, vous avez de quoi prendre des notes? Oui. Ah, super. Alors, c'est bon. Je vais parler doucement et je vais tout faire de façon chronologique. Donc, je disais, pour moi, vous trouvez un emploi là, sous les 30 jours. Même pas un mois. Il y a moins d'un mois pour trouver cet emploi. Parce que j'ai ça vraiment d'une façon super imminente, j'ai ça dans le présent. Hein. J'ai un emploi pour moi dont la première lettre de l'entreprise se trouve en milieu d'alphabet. Donc, pour moi, le milieu d'alphabet, c'est soit M de Marie, N de Nomi ou O de Olivier. C'est pour moi, l'entreprise commence par une de ces trois lettres-là. M, N ou O. D'accord. À la base, j'hésiterai un petit peu plus entre le M et le N, parce que déjà, au niveau de la consonance, ça se ressemble. Ça, c'est ce qu'on me donne au niveau de mes flashs. M ou N, ça sera la première lettre de l'entreprise. Ou le nom de famille du patron qui vous embauchera. Ça peut être l'un ou l'autre. D'accord. Hein, vous notez bien. Alors, c'est un CDD, comme je disais tout à l'heure. Un CDD de 3 à 4 mois. C'est un CDD pour moi qui peut être renouvelé, mais je n'ai pas de CDI par derrière, par contre. Hein. Le CDI, le CDI, ça sera dans une autre société. Ah bon? Oui, ça ne sera pas la même société. Bon, je vous ai d'abord. Après, tout de suite derrière, après. Il y aura très peu de battements entre deux. C'est-à-dire que pour moi, entre deux, il y aura peut-être un à deux mois de battements à peine. À peine. D'accord, mais je mettrai déjà un pied dans. Voilà, exactement. De nouveau dans des contrats, en fait. Exactement. Dans des entreprises. Tout déjà, à fait. C'est pour ça que je préfère bien dire dès le départ, attention, le CDD que vous allez trouver peut être renouvelable, mais il n'y a pas de CDI au bout. Le CDI se trouvera dans une seconde société. Alors, c'est simple. La première société qu'on me montre, qui est ce CDD de 3-4 mois renouvelable, j'ai quelque chose qui s'apparente, je dis bien qui s'apparente, à de la fonction publique ou qui peut être assimilée à la fonction publique. Ça, c'est quoi? Pour l'emploi qui arrive là. Alors, je n'ai pas dit fonction publique, ça peut être assimilée fonction publique. Hein? Oui. Ça, c'est pour le CDD. D'accord. Ensuite, c'est marrant parce que je commençais à y regarder un peu, mais c'est vrai que on ne sait jamais où se diriger vraiment, mais... Ben, c'est vrai que là, pour vous, ce n'est pas facile parce que je ne vous ai pas une formation en particulier sur vous. J'ai l'impression que vous avez un petit peu touché à tout. Tout à fait. Voilà. Pour ça, je ne vous ai pas une vocation ou une voix en particulier. Pour moi, vous êtes une touche à tout. Vous prenez du travail. Quand il y a du travail, là, le premier truc qui vient, plus ou moins. Donc, après, sur la deuxième société, c'est-à-dire compter à peu près dans. À partir de maintenant, compter à peu près dans 6 à 7 mois. Oui. Dans 7 mois. Compter 7 mois à partir de maintenant. Dans la deuxième société, alors pour moi, ce sera une société qui aura un logo rouge ou. Rouge, orangé, rouge. Ça, d'accord. C'est pour la deuxième société. Je parle pas trop vite, c'est bon? Non, ça va pas vite. Non, voilà, c'est bien, donc, je note tout. Oui. Société avec un logo rouge, orangé. Là, par contre, on sera dans le secteur privé. Hein. Et là, on sera dans le CDI. Hein. Ah, d'accord. Hein. Et donc, en fonction publique, j'y resterai pas. Non, vous y restez pas, c'est un CDD seulement. D'accord. Hein, on vous proposera peut-être des missions à la fin de ce CDD-là, mais dans l'autre société qui, elle, est dans le privé, là, on vous proposera dès le départ un CDI. Tout à fait. Voilà, Sylvie.
J'espère avoir bien répondu à votre question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Merci.